La rentrée politique du bureau de soutien permanent du MPS La Montagne du Salut a rassemblé les jeunes militants du parti. Ces jeunes sont venus des quatre coins de la capitale pour montrer leur soutien et leur engagement au parti en apportant des innovations et une énergie débordante. Ils incarnent l'avenir du parti et sont prêts à relever les défis qui les attendent. Au cours de cette rencontre, le coordonnateur du bureau, Moudjine Tchoubou, le secrétaire général de la province du Mayo-Kébi-Ouest, Keda Bala, et le membre du bureau politique national du MPS, Faïtou Etienne, se sont succédés pour inviter les jeunes du bureau de soutien à sensibiliser la population à se faire enrôler. Le secrétaire général deuxième adjoint du MPS, par ailleurs président d'honneur du bureau de soutien La Montagne du Salut, indique que les jeunes ont un rôle à jouer dans la construction du pays. Vous avez perçu véritablement ce que le MPS a apporté à ce pays. Et vous vous êtes dit qu'il n'y a que ce parti et ce parti seul qui peut nous amener loin, même si aujourd'hui nous n'avons rien. Le bureau de soutien permanent du MPS est créé le 19 janvier 2019 sous l'initiative des jeunes ressortissants de Toroc. Ces jeunes croient en l'ambition du MPS qui vise à défendre les intérêts du pays.